c'est devant ton saint trône dans ce lieu. Je lève ton saint trône dans cette ville. Je lève ton nom tout puissant dans cette ville, au nom tout puissant de Jésus. Je rends nul et sans effet toutes les manœuvres de l'ennemi Satan. Dans le nom tout puissant de Christ et Jésus, je rends captif tout esprit qui ne confesse pas les seigneuries de Christ et Jésus. Dans ce lieu, tout ce qui peut perturber, Seigneur de gloire, à ce moment, je le rends nul et sans effet au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous sommes debout, nous prenons la Bible pour honorer la parole. Ésaïe 49, verset 14, verset 16, et du 24 au 26. Femme oubliée, tel enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublia, elle l'oublierait, moi. Et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera élevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je te sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils n'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Et qui est toujours en train de pleurer tous les temps. Parce que nous avons un Dieu. Alors si tu es en train de pleurer parce qu'il y a une situation, bien aimée, que tu dois dire non à cette situation. Amen. Il y a un problème que tu dois dire non à ce problème. Je vais te dire encore, le Seigneur ne délivre pas quelqu'un d'une situation que lui-même il sent qu'il est bien. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des domaines dans la vie. Si toi-même tu te sens confortable, même si tu es en train de souffrir, tu te sens confortable, ça veut dire que tu te plais dans cette situation. Alors Dieu va te délivrer pour moi. Le Seigneur ne délivre pas quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être délivré. Parce que Dieu ne force personne. C'est toi de comprendre la vérité de la parole de Dieu et de rentrer dans la réalité de ta propre vie pour voir comment ma vie elle va. Israël dit pleure parce qu'il voit que la vie ne va plus. Il voit que non, ce n'est pas ça notre vie. Nous étions libres dans notre pays. Nous étions là, nous adorons Dieu. Nous glorifions l'Éternel. Le Seigneur nous bénissait dans notre pays. Mais ce que nous sommes en train de vivre, l'ennemi est en train de nous châtier. Alléluia. Amen. Le doute est rentré dans leur vie en se posant des questions. Ils ont dit, nous sommes captifs. Nous sommes captifs entre les mains de l'ennemi.
Au verset 14, la Bible dit, si on disait, c'est-à-dire qu'ici la Bible compare Sion, parce que Israël, c'est la femme de l'Éternel. Israël est comparé à une femme répudiée, une femme qui a été renvoyée. Amen. Et qui commence à vivre la souffrance parce que son mari n'est plus là. Le mari l'a renvoyé à cause de l'infidélité d'Israël. Israël s'était retrouvé dans la captivité. Et c'est ce qui arrive dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Que quand il y a une désobéissance, comme nous venons de prêcher, on est en train de parler de l'obéissance. Il y a des conséquences positives de l'obéissance dans nos vies. Et il y a des conséquences négatives qui suivent la désobéissance. Alléluia. Nous avons vu que Adam et Ève ont été renvoyés du jardin d'Éden à cause d'un seul péché. Et ce péché, c'était la désobéissance qui a fait que tout le malheur est venu dans le monde. Alléluia. Amen. Et les familles de la terre étaient plongées dans le mal parce que Satan, il avait pris les dessus. Et quand Satan a pris les dessus, ça veut dire que le peuple ne marchait plus dans la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu amène la lumière dans la vie du peuple. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. La gloire de Dieu dans ta famille amènera la lumière dans ta famille. Yes. Et quand la lumière rentre, ça dit la gloire de Dieu rentre, bien aimé, c'est là où la délivrance s'opère. Tu verras que la famille commence à changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire l'effort si Dieu est avec nous. Il y a des choses, tu fais des efforts. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'as aucune réponse. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais qui? Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Amen. Bien-aimé, c'est une parole. Moi, je pensais voir tous les enfants de la source déjà ici, présents dans la salle. Mais la parole là, elle est pour toi. Amen. Toi qui es là. Amen. Parce que Dieu, il voit ton cœur. Amen. Vous savez, beaucoup de gens viennent seulement quand ils voient que les problèmes, les mauvais fruits des problèmes qu'il est en train de vivre commencent à se manifester fortement. Il y a beaucoup, ils nous ont ramené que la guerre et ils sont partis. Quand il est devenu bien, là, Dieu, je viendrai encore après. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nos vies sont entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va changer la vie d'un enfant de Dieu dans la source vivante. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Seigneur il a permis que nous revenions. C'est pour cela que le Seigneur il a permis que ces lieux soient bâtis encore. C'est pour cela que Dieu nous a relevés encore. Je vous annonce un Dieu qui change la situation. Amen. Qui change l'histoire. Amen. Et si tu crois cette parole, ta vie ne restera plus la même. Amen. Je suis en train de te dire, il y a d'autres situations que tu vis. Des conséquences qui a été les conséquences de la désobéissance. Parce que peut-être les ancêtres ont désobéi. Le papa a désobéi. Ils se sont introduits là où il ne fallait pas. Alors l'ennemi a pris des déçus. Quelqu'un qui vit dans l'esclavage, c'est quelqu'un, sa vie. Il y a toujours des qu'est-ce qu'il sait. C'est toujours dans sa vie, il y a des choses. Là où les autres sont en train de voir la lumière de Dieu, mais lui, eux, ne le voit pas. Là où les autres, ils sont en train de se réjouir, mais lui ou elle, il n'y a que la souffrance.
Et d'autres choses, bien aimé, ça ne peut pas être tantôt le papa. Mais ça peut être l'environnement. Parce que la jalousie dans le monde existe. Depuis que l'homme a tombé, depuis que Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu, Satan, il est rentré en action. Il a ramené la jalousie. Il a ramené les mensonges. Il a ramené l'esprit de la destruction. Une autre personne cherche à te détruire parce que tu es en train d'avancer. Alléluia. Amen. Mais notre thème, l'Éternel te délivrera de la main de tes ennemis. L'Éternel délivrera quelqu'un. Amen. Ici, le peuple demande, est-ce que la capture du puissant lui sera-tu enlevée? Le puissant ici conduit ce qu'il est puissant dans Esaïe 49, le verset 24 et le verset 25. Le puissant, c'est Satan. La Bible l'appelle l'homme fort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sans Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan. Sans la puissance du Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vaincre Satan. Ça veut dire que s'il y a des ténèbres qui sont rentrées dans ta famille, dans ta vie, le ténèbre là te suivra. Si Jésus ne vient pas délivrer ta vie, bien aimé, tu pourras vivre la même situation que les autres de ta famille ont vécu. L'homme fort, c'est Satan. Ce qui ravage aujourd'hui, ce qui détruit la vie des gens, c'est quoi? C'est des situations compliquées. La vie qui ne va pas. Même la vie spirituelle. Quelqu'un qui a bien commencé, tu vas voir après quelques temps, il arrive plus à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage dans ta vie. C'est lui qui est captif. Il n'a pas l'autonomie par soi-même. C'est-à-dire que osa libre de yomoko osa la likambo oyokanisi malam. Tout ce que tu penseras de bien dans ta vie, ça s'arrêtera. C'est la captivité, c'est ça l'esclavage. Tu commences un projet, mais le projet là n'aboutira pas. Alléluia. Amen. Tu commences quelque chose pour avancer, mais tu arrives au milieu, même pas même atteindre le milieu, tu n'arrives plus parce que cela n'avance plus. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé. Dieu, il voit toutes choses. La capture du puissant dans cette époque-là, ça veut dire quand il y avait la guerre entre deux nations, ceux qui viennent faire la guerre avec vous, si eux, ils gagnent, ils vont prendre votre roi, ils vont prendre tous les peuples et les amènent chez eux, ils deviennent des esclaves. Amen. C'est ainsi que le peuple d'Israël ont été amenés en Babylone. C'est pourquoi le peuple d'Israël, quand tu entends la déportation, ils ont été amenés dans la déportation. Parce que Dieu, il avait laissé, parce que ce peuple n'obéissait plus à Dieu. Comme ils ont désobéi, Dieu, il a laissé l'ennemi. Il a permis que l'ennemi puisse les amener captifs. Les faire des esclaves. Et quand ils sont venus, ils ne vont pas seulement vous prendre à vous, mais toute la richesse que vous avez, ils vont les prendre. Alléluia. Amen. Ce n'est plus, ce qui t'appartenait ne t'appartient plus. Appartient à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que spirituellement, c'est ça dans la vie. Il y a ceux qui sont captifs. Il y a des domaines de la vie qui sont captifs. C'est pourquoi quand nous prions, ce n'est pas pour rien. Nous prions afin qu'il y ait la délivrance totale dans notre vie. Amen. Pendant que nous allons vivre dans ce monde, bien aimé, nous rencontrerons dans ta vie qui va commencer à découvrir. Ah, mais ça, dans ce côté-là, ça n'avance pas. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu as la lumière de Dieu, tu vas comprendre ce domaine qui n'avance pas. Alors, le Seigneur me l'a révélé afin que je puisse me lever et que je puisse briser les chaînes qui bloquent dans ces côtés. Mais si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu verras que la vie que tu es en train de vivre
Tu dis, ce n'est pas grave, c'est la situation de notre famille. Tu dis, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas comme ça, a été posé dans ta vie. L'ennemi te l'impose. L'ennemi te dit, tu vas vivre parce que tu es un esclave. Un esclave, on lui impose la vie qu'il doit vivre. Il y a d'autres vies que les gens vivent. C'est une vie que l'ennemi ou les sorciers de ta famille vous ont imposé. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas que des familles. Aujourd'hui, même les sorciers du quartier peuvent t'ensorceler. Ils te posent le rythme d'une vie que toi-même tu commences à sentir. Non, cette vie-là, ce n'est pas cette vie que je dois vivre. La Bible nous dit dans le malédiction, je pense que nous allons monter sur ça demain. La Bible dit, quand la Bible parle de la malédiction, tu seras maudit. Ça veut dire tu auras une fiancée, mais un autre viendra le prendre. Cela n'arrive pas dans la vie des gens. Tu t'es préparé d'avoir une fiancée, mais après quelques temps, la fiancée, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Tu sèmeras, mais tu ne mangeras pas les fruits. Mais cela n'arrive pas dans la vie des gens. Tu travailles, mais tu ne te réjouis pas des fruits de ton travail. Ça veut dire que tu es utilisé dans le monde des ténèbres, tu es utilisé, tu es comme un esclave. Toi, tu vas encaisser la souffrance, mais le fruit de ce que tu es en train de travailler, ce n'est pas toi qui le manges. Tu ne te réjouis pas de cela. Mais si tu ne te réveilles pas, alléluia, ta vie restera la même. Elle ne changera pas. Mais il faut te réveiller, de comprendre que l'homme fort, il est en train de m'oppresser. Ça veut dire que je suis enfermé dans ce côté-là. Il faut que je reçoive ma délivrance. Il ne faut pas avoir honte de la délivrance. La délivrance dans beaucoup de domaines dans la vie. Il est vivant. Dans la vie, bien-aimé. Si tu vois quelque chose ne va pas, il faut, surtout quand il y a des moments comme ça, parce que c'est des moments particuliers, il y a une notion particulière dans ces moments ici. Amen. Alléluia. Amen. Il faut profiter de dire, Seigneur, je veux dire non à cette situation. C'est-à-dire, quand tu dis non, spirituellement, bien-aimé, tu es en train de te libérer de cette situation et tu appelles les secours de l'Éternel qui peut venir à ton secours. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne dis pas non, même Dieu, il sera incapable de te délivrer parce que tu aimes la situation. Parce que tu aimes cette vie. Une vie que tu aimes, qui va te libérer de ça? Tu te réjouis de cette situation. Tu vois que cette situation elle est bonne pour toi, alors Dieu va te délivrer. Pourquoi? Il y a une chose qu'on doit savoir. Le Seigneur est venu pour notre délivrance. Amen. 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 Alors le Seigneur, il a préparé une victoire pour toi. Tu es l'enfant de Dieu. Bien-aimé qui est en train de me suivre sur les nets. Parce que ce message, c'est lui ou celle qui la recevra. Même sur les nets, là où tu es, si tu es connecté avec nous, pendant que nous allons commencer à prier, le Seigneur touchera ta vie. Dieu, c'est le Dieu de la délivrance, Dieu t'amène. Alors, il peut avoir une victoire pour toi que le Seigneur a préparée. Mais il faut savoir, il faut conquérir ou bien il faut s'approprier de ta victoire. Comment? Je vais analyser la situation que je vis. Comme le peuple d'Israël dit, ils voient la situation qu'ils sont en train de vivre. Le verset 14 dit, c'est Dieu qui est en train de les tuer. Ils ont dit, quand ils ont vu la situation, ils ont vu qu'il n'y a plus la victoire. Ils ont imposé une vie qui
ils ne pouvaient plus vivre. Ils ont dit, oh, Dieu nous a abandonnés. C'est là où le Seigneur le parle. Dieu le parle à travers. Le prophète dit, je ne vous ai pas abandonnés. Ici, le Seigneur, il a annoncé la restauration de ses peuples parce qu'il aimait ses peuples. Alléluia. Malgré le mal qu'ils avaient fait, c'est que Dieu voulait qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à eux. Et qu'ils reviennent au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les délivrer. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui vivent comme l'esprit de la sorcellerie. Il y a d'autres qui ont été ensorcelés par dans leur ventre déjà. Ça veut dire que ce n'est pas la personne qui l'a cherché. Mais dans le ventre, pendant, au moment de la conception, comme la famille était plongée dans les ténèbres, était plongée dans ses esprits, le même esprit touche déjà la vie d'une personne à partir du ventre. Est-ce que vous avez jamais entendu parler qu'un enfant dans le ventre, il sort déjà pour aller à sorceller? Il y a d'autres sorciers, ce n'est pas eux qui ont voulu être des sorciers. Alléluia. Amen. Mais ça a été imposé parce que la famille vivait comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais nous avons un Dieu de la délivrance. Notre Dieu, c'est le Dieu qui délivre. Quand quelqu'un comprend sa situation, quand quelqu'un comprend sa vie, il se dit non, cette vie-là, ce n'est pas ma vie. Ça va m'amener toujours dans les situations chaotiques. Il faut que je cherche ma délivrance, que Dieu me délivre. Ça dit, quand nous faisons cette démarche, Dieu, il est le Tout-Puissant pour donner la vie, pour délivrer. Il y a d'autres personnes qui vivent, bien aimé, des situations chaotiques dans leur vie. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont déjà été vendus. Tu ne le sais pas, toi tu marches, tu penses que tu es bien, mais ta vie a déjà été vendue. Il y a d'autres qui ont été déjà mariés dans les ténèbres. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres personnes qui ont été déjà mariés dans les ténèbres. Tu es une femme, mais tu sens, chaque fois qu'on tue, tu n'as pas accouché, mais tu sens comme si tu étais en train d'allaiter un enfant. Il est vivant. C'est la captivité. C'est l'esclavage spirituel. Et si toi-même tu ne réalises pas la situation, alors tu vas commencer à vivre cette situation. Il y a des gens qui vivent avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que ça, on les a imposés. Dans leur famille, il y a quelqu'un qui les a déjà vendus ou qui a déjà fait des mariages de ténèbres pour eux. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais Dieu, il dit, le verset 25, l'Éternel dit, oui, quand les peuples ont crié, est-ce qu'il y aura la délivrance? Est-ce que là, ce qu'a pris le zéro, ça veut dire l'homme fort, ce que l'homme fort a pris. Laisse-moi lire ça dans une autre version ici. Oh, que l'Éternel soit loué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un réalise cette parole? Amen. Ce n'est pas ta vie, bien-aimé. Si tu sens de telles choses, tu vas dire non, tu diras non, ça ce n'est pas ma vie. Écoutez, dans la version là, la Bible dit, le butin du puissant, c'est-à-dire l'homme fort, lui sera-t-il enlevé? Et la capture, ça veut dire c'est ce qu'il a pris en captivité, la capture. Le somme qu'il a pris en captivité, leurs vies qui sont bloquées, les peuples ici sont en train de demander à Dieu, est-ce que la capture du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est-à-dire, ce cri-là vient avec des doutes. Bien-aimé, ta vie, Dieu veut le voir libérée. Et quand tu es libéré de tous côtés, tu auras, bien-aimé, la joie de louer ton Dieu. Amen.
la joie de glorifier Dieu. Quand Dieu fait des miracles dans ta vie, tu ne l'oublieras jamais. Alléluia. Dieu, il est capable de libérer, de délivrer des magiciens, des marabouts, des sorcières, des sorciers, des voleurs, afin qu'ils soient libres pour vivre la joie de l'Éternel, pour vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et quand toi tu es libéré, sache que même le fruit de tes entrailles, ça veut dire tes enfants, alléluia, amen, la grâce les accompagnera. Parce qu'il y a des situations, bien-aimées, ça va se suivre. Toi, tu le vis et tes enfants vont le vivre. Parce que c'est la situation familiale. C'est ce qu'on appelle, bien-aimés, une chaîne de la famille. Singalibota. Si on ne coupe pas. Mais pour que ça soit coupé, il faut que tu réalises la situation. Et tu dis, non, je rentre à moi. La situation que nous vivons, ce n'est pas ça. Je travaille comme si quelqu'un ne travaille pas. Le mariage, c'est difficile. Le problème, là, c'est difficile. On n'y arrive pas. On essaie. On fait tout, mais rien qui se passe. Moi, je veux te dire que quelque chose peut se passer si seulement tu crois à l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est le Dieu de la délivrance. Dieu ne veut pas que quelqu'un reste captif. Dieu ne veut pas que quelqu'un reste emprisonné entre les mains de l'ennemi Satan. Satan, il emprisonne des vies des gens. Il t'emprisonne dans le malheur. Il t'a emprisonné dans les esprits de mensonge, dans les esprits de la prostitution, dans les esprits bien-aimés. Il y a d'autres gens qui font de la prostitution. Ce n'est pas parce qu'elle veut, ce n'est pas parce qu'il manque à manger. Mais Satan lui a imposé cela. C'est des lois de famille. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et la Bible dit, au verset 25, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin c'est quoi? Le butin c'est ce que je viens de dire. Quand il y avait la guerre, alors c'est lui qui a vaincu sur toi. Amen. C'est lui qui a remporté la victoire. Il va prendre le butin. Le butin c'est tout ce que tu possèdes. Et il commence à les partager. Spirituellement, c'est quoi? Le butin, c'est quoi de ta vie? Le butin, c'est ton avenir. Le butin, c'est ta destinée. Ta destinée que Dieu a préparée pour toi, tu ne le vis pas. Alléluia. Amen. Mais tu vis une destinée imposée. Tu vis une situation qui t'a été imposée. Tu vis des régimes qui t'ont été imposés. Et le butin, c'est lui qui remportait la victoire. Il prenait le butin, il partageait. Alors Israël, ici, ils étaient comme le butin entre les mains de l'ennemi. Entre les mains des Babyloniens. Ils sont emprisonnés. Ce qu'ils possédaient, ce qui est à eux, il n'est plus à eux parce que l'ennemi le partage. Tu vois ta maison ce n'est plus toi qui l'as, c'est quelqu'un d'autre qui la reçoit. Tu vois, tu as ta femme, c'est un autre homme qui le prend. Tu vois, tu as tes enfants, le désordre rentre. Le butin que le puissant a retiré. Ici, Israël pleure. Qui va l'enlever entre les mains du puissant? L'Éternel dit que oui. Le verset 25, Dieu, il est en train de dire. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Ça veut dire que c'est lui qui est capturé entre les mains de l'ennemi, il sera délivré. Alléluia. Il dit la capture du puissant lui sera enlevée. C'est lui que l'ennemi emprisonne. C'est lui que l'ennemi a bloqué. C'est lui que l'ennemi a fait esclave. Je vais le libérer. C'est ce que tu es en train de dire. Il dit à quelqu'un bien-aimé, quand tu te sens esclave dans un domaine, quand tu te sens esclave dans une situation que tu n'arrives pas à sortir, tu es intelligente, bien-aimé. Mais le projet que tu voyais dans ta tête, tu n'y arrives pas. Non. Moi, je vais dire non. Moi, je ne peux pas voir mes enfants de faire le même travail que moi j'ai fait. Alléluia. Parce que ils sont quand même dans ces pays-là
où ils peuvent aller plus loin. Amen. Alléluia. Mais sache-le très bien, bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont là. C'est juste pour détruire tes enfants. C'est juste pour bloquer leur avenir. C'est juste pour venir brouiller leur destinée. L'ennemi, il vient pour brouiller. Alors si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, tu ne prieras pas. Si tu ne comprends pas, tu n'appelleras pas le Seigneur. Si tu ne comprends pas, bien aimé, tu vas dire, même s'ils vont travailler là en copère, même s'ils vont s'arrêter à être aide-soignante, et peut-être être soignante, laisse-les comme ça, ce n'est pas grave. Non, moi je dis non au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire c'est Dieu. Alléluia. Il a créé un homme qui est élevé, un homme qui est devenu docteur. Si mon enfant aussi veut faire rentrer dans la médecine, alors il a aussi droit de devenir docteur. Alléluia. Il est vivant. Et quand je vois qu'il y a un blocage, je sais que j'ai un Dieu. Je sais que les tout puissants, il est capable de délivrer. Je veux faire la paix. C'est ça qui me fait que prier, parce que la prière délivre. Amen. La prière délivre. La prière donne la victoire. La prière ouvre les chemins. Je suis en train de dire, la prière ouvre les chemins qui étaient fermés. La prière, bien aimée, vient éclairer la destinée de quelqu'un. La prière, parce que dans la prière, Dieu se manifeste. Amen. Dans la prière, Dieu rentre en action. Amen. Dieu rentre en œuvre. Et quand tu ne pries pas, les situations restent les mêmes. Les enfants sont en train de suivre. Un enfant qui est intelligent, on bloque son intelligence. Et toi, il y a des papas et mamans, vous buvez. Vous oubliez que les enfants, ils n'avancent plus. La même vie que vous vivez, c'est celle que les enfants vont vivre. Oh, mais non, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il faut viser plus loin. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, bien-aimés. Écoutez, je parlais de la stratégie de Jésus. Le Seigneur ne me dit-il pas. Le Seigneur dit que un enfant de Dieu, il est comme une lampe qui est au-dessus d'une montagne. Un enfant de Dieu, il est comme une lampe qui est où? Écoutez-le dans le message, l'Obana. Un enfant de Dieu, il est comme une lampe qui est au-dessus de montagne. Est-ce que la lampe qui est au-dessus de la montagne, elle ne sera pas visible à tout le monde? Elle sera visible. C'est l'image de l'élévation. Oui. Alléluia. Amen. Que tu es là, vouloir ou pas, même celui qui ne veut pas, il va te voir. Yes. Parce que tu as une lumière. Amen. Parce que tu es en train de prier. Amen. Alors l'ennemi, pour arrêter que tu pries, il va te mettre le vêtement sale, le vêtement noir. Il veut te couvrir de vêtements. Il faut dire non, mon enfant, ma vie ne peut pas être couvert par l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur dit, tes ennemis là, parce que tu as crié à moi, tes ennemis là, je vais te délivrer de leurs mains. Il dit, Israël, je vais te délivrer de leurs mains. Il dit, Israël, le budget que le méchant a pris, ça veut dire que ton intelligence qu'il a pris, ton projet de l'avenir qu'il a embrouillé, ta destinée qu'il est venu se déposer pour ta destinée. L'Éternel ici, il promet que moi, je t'ai choisi, ta destinée, elle est glorieuse. La destinée d'Israël, elle est glorieuse. Parce qu'il a été choisi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu choisi par l'Éternel. Ta destinée doit être glorieuse. Amen. Vouloir ou pas. Vouloir. Quand tu vois que la situation ne va pas, c'est le Seigneur qui fait que la situation aille. Quand tu vois que la situation, comme si elle était bloquée, chacun de nous connaît l'histoire de sa famille, de là où tu viens. Tu connais les situations, tu connais les choses, ou tu connais peut-être même des maladies, les conséquences des maladies, là tu es en train de les vivre aujourd'hui. Mais quand tu te plains de cela, tu te dis, je ne prie pas. Tu
penses que prier pour c'est pour une autre personne. Non, prier c'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est pour ta maison. C'est pour ta famille. C'est pour votre délivrance. Afin que Dieu puisse venir en aide. Écoutez, l'Éternel promet ici, il dit ceci. Oui, dit l'Éternel, la partie du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran. C'est-à-dire que le tyran, c'est une mauvaise personne. C'est-à-dire c'est l'image de Satan. C'est l'image de ceux qui viennent pour ensorceler ta vie. Ce sont des tyrans. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas pitié de toi. Ils n'ont pas pitié. Ils ne veulent pas que tu avances. Tu veux avancer, ils veulent sans t'entraver. Mais je suis tenté de dire que le temps est arrivé. Que le Seigneur bien-aimé te délivre. Alléluia. Écoute ce que Dieu promet. Ce que Dieu dit ici. Le verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs. C'est-à-dire celui qui est en train de venir t'oppresser. Le temps est venu. C'est lui qui a voulu manger ma chair. Il ne mangera pas ma chair, mais c'est sa chair qu'il mangera. C'est lui qui va vouloir boire mon sang. Il ne va pas boire mon sang, mais c'est son propre sang qu'il va faire boire. Il va les boire. Alléluia. Il est vivant. Même ces sorciers-là de la famille qui ont bloqué les situations. Est-ce que quand ils ont commencé les affaires, toi tu étais là? Non. Est-ce que quand ils ont fait les contrats, toi tu étais là? Bien-aimé, est-ce que toi tu as participé? Non. Alors pourquoi tu vas vivre les situations? Non. Mais pourquoi tu vas vivre des maladies? Non. Mais pourquoi les blocages de ta famille vont te suivre? Non. Mais pourquoi, bien-aimé, l'esclavage de ta famille va te suivre, suivre tes enfants? C'est toi de comprendre la situation, d'analyser la situation, de dire, Seigneur, je dis non à cette situation. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas là. Mm. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Mais la différence, aujourd'hui, moi, je rencontre celui qui délivre. C'est lui qui est tout puissant. Yes. Écoutez. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Ça veut dire comme du vin nouveau. Comme du mou et toute chair. Alléluia. Amen. La Bible est en train de me dire, bien aimé, que les miracles que Dieu fera dans ta vie, que les gens qui te connaissaient vont savoir, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Que toutes chères sauront que je suis le puissant de Jacob. Alingala, Tozobenga, Elombe, Yacob. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons Elombe, Telema. Elombe, c'est ce verset-là. Yes. Quand tu dis Alingala, on dit Elombe. Elombe, c'est lui qui est plus fort que l'homme puissant, qui est en train de brouiller ta vie, qui est en train d'ensorceler ta vie, qui est en train d'ensorceler ta destinée. Alléluia. Amen. Oh, écoutez, qu'est-ce que la Bible me dit? Bien-aimé, c'est le temps. Si toi tu ne te réveilles pas, moi je suis réveillé. Yes. Si toi tu ne te réveilles pas, moi et ma maison nous sommes réveillés. Si toi tu ne te réveilles pas, si tu ne dis pas non, moi je dis non. Je dis que même la sorcellerie dans cette église ne peut pas régner, ne peut pas triompher. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que l'heure est arrivée. Oh, il faut qu'ils mangent leur propre chair. Il faut qu'ils boivent leur propre sang. Il faut qu'ils soient enivrés. Et là, même la démarche lui a changé. Pourquoi? Il a touché la vie d'un enfant de Dieu qui marche avec l'Éternel. Si tu ne dis rien, écoutez, il y a une chose. Tu peux avoir besoin de la délivrance. Mais si tu ne dis rien, ta délivrance reste là et ta vie reste la même. C'est lui qui est en train de te faire du mal. Lui, il continue. Parce que l'ennemi ne le laissera pas. S'il n'a pas vraiment eu la frappe de Dieu, hein, ce qui a su peut-être fimo ya koloté, à côté ka te. Ce qui a suivi, où tu as comme un pénalité, où tu as dit, où tu as dit, là où il avait creusé pour toi, qu'on met sa tête là-bas, on lui dit, toi, si tu ne lâches pas, demain déjà tu mourras. Yes. Il ne laissera pas. Il est vivant. Yes. Bien aimé, pour ta délivrance, il faut être
d'une colère sainte contre les situations qui ne vont pas. La situation qui ne va pas, ce n'est pas ton ami. Tu ne dois pas dire, oh, ta maladie, ce n'est pas grave, tu peux être là. Non, tu dois dire, toi, cette maladie, je ne te veux pas dans ma maison. Je ne te veux pas dans la vie de mes enfants. Je ne te veux pas dans ma maison. Je ne te veux pas dans ma vie. L'état est arrivé. C'est lui qui t'envoie la maladie. Il faut qu'il le reçoive. Yes. Alléluia. Amen. L'état est arrivé. C'est lui qui veut ta mort. Il faut que la cimetière là lui attend. Amen. Hey. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il a dit quoi? Tes oppresseurs, ceux qui ont voulu manger ta chair, je les ferai manger quoi? Plus fort. Ceux qui ont voulu manger ta chair, je les ferai manger quoi? Les propres chairs. C'est-à-dire, le temps est arrivé, c'est lui qui veut goûter ma chair. Oh, ce n'est pas ma chair que tu vas toucher. Parce que ma chair est glorifiée. Ma chair a été, j'ai été racheté par le sang de l'agneau de Dieu. Tu n'as aucune autorité sur moi. Alors, tu vas manger ta propre chair. C'est le temps. Aujourd'hui, c'est vide encore. On vient de commencer. Comme si on est, c'est la renaissance. Mais je vous dis, ce que je vous dis, vous allez le voir. Yes. Ça va se passer à Saint-Brieuc. Yes. Saint-Brieuc saura que nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Yes. Saint-Brieuc saura qu'il y a une église, la source vivante. Dieu qui est ici est tout puissant. Yes. Tous ceux qui ont déjà tenté à détruire, bien-aimés, c'est leur propre vie qu'on tente de détruire. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé qui est en train de me suivre, la Bible dit, l'Éternel dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Non. Moi, je ne peux pas être le sacrifice de Satan. Non. Je ne peux pas être le sacrifice sur la main de mes ennemis. Oh, ils me prennent dans les ténèbres, ils commencent à jouer comme le butin que je viens de tuer. C'est-à-dire, il t'a tué à l'autre sorcier là, je prends, et il commence à rigoler dans les ténèbres, on va les manger, non. Car que vous soyez, vous voyez ma terre du Médiwa. Le tonnerre qui va vous frapper, vous n'allez même pas comprendre. Il est vivant. Parce que moi je ne crois. Est-ce que toi tu crois? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Ceux qui ont voulu manger ta chair, ceux qui ont brouillé ta destinée. Oh bien aimé, aujourd'hui peut-être tu pouvais être une grande personne. Aujourd'hui peut-être ta vie aurait pu déjà avancer. Ceux qui t'ont brouillé, ce n'est pas grave, mais le Seigneur il est venu te dire que le temps est arrivé. Amen. Le Seigneur est venu te dire que le temps de ta délivrance est arrivé. Le Seigneur est venu te dire, si toi tu le veux, il va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Il va te délivrer. C'est ce que Dieu dit. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Écoutez. De ce que nous allons partager. Bible Lingala. Personne? Il n'y en a pas? Ésaïe 49 au 24, et la Bible dit Yer babotolaka basoda, biloko oyo bazwa ki na bitumba, na yamabe. 25, Yahwe alobi na yo, ya solo na kobotola basoda biloko oyo bazwa ki na bitumba. Na kolongola bawumbu na maboko ya bakonzi ya mabe. Ngai moko na kosambisa
banguna na yo pe na ko bikisa bana na yo. Amen. Amen. C'est fini. Banyoko la kayo babomana pe baliana bango na bango. Bako langwa na makila ndenge bato balangwaka na vino ya sika. Boye moto nyonso akoyebate ngai yawe nazali mobikisi na yo. Ngai elombe ya Jacob moto na longoli yo na bowumbu. Amen. La parole du Seigneur. Ah. L'Éternel te délivrera ou le Seigneur te délivrera de la main de Satan. C'est quoi notre thème? L'Éternel me délivrera de la main de Satan et des ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un veut la main de Dieu dans sa vie? Amen. Gloire au Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Alors, nous venons de lire un texte qui est très profond. Le prophète Esaïe, il est en train de nous annoncer ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Amen. Amen. Le peuple qui était dans la captivité, qui ont été faits des esclaves. Et quand ce peuple était dans la souffrance, quand ce peuple pleurait dans la captivité, le doute a rempli leur cœur, le doute de Dieu même. Amen. Amen. Le doute que Dieu peut les sauver. Et c'est pourquoi nous voyons le verset 24 qui dit, c'est une question avec les points d'interrogation. Le verset 24 nous dit ici. Le verset 24 dit, ce qu'a pris les héros, les héros, lui sera-t-il repris? La capture du juste échappera-t-elle? Alinala, c'est pas vraiment bien expliqué. On dit, ceux qui les ont pris. Amen. C'est-à-dire que moi qui ai rendu, ceux qui sont rendus captifs, ils sont entrés, ils sont en doute. Ça, c'est une question avec les doutes. Parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais ils se trouvent dans une situation, ils se disent, ce n'est plus possible. Le doute de Dieu, même le doute de les sauver, est venu dans leur cœur. Et ça, c'est ce qui arrive dans la vie d'une personne. Une personne qui prie. Un enfant de Dieu, quand il voit que la vie ne va plus, quand il voit que la vie, il n'arrive plus à vivre ce qu'il pensait vivre avec la grâce de Dieu. Quand l'ennemi commence à tourmenter la vie d'un enfant de Dieu, quand l'ennemi commence à ruiner la vie d'un enfant de Dieu, les questions se posent. Amen. On commence à se poser des questions. Où est le Seigneur? Est-ce que le Seigneur me délivrera-tu? Est-ce que le Seigneur, il est réellement avec nous? Mais si je monte au verset, du verset 14 au verset 16, la Bible dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et Dieu, il répond, une femme oublie-t-elle son nourrisson ou son enfant? N'a-t-il pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ça veut dire que au moment que Israël était dans cette souffrance, vivait ces moments durs, mais les yeux de l'Éternel étaient toujours sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, parce que nous sommes là aujourd'hui pour répandre nos âmes dans la présence de Dieu, pour appeler le Seigneur. Il peut arriver que ce que tu pensais vivre, ta destinée n'est pas ce que tu es en train de vivre.
C'est quoi la captivité, bien-aimé? La captivité, c'est l'esclavage. Les peuples étaient amenés à l'esclavage. Amen. Hein? Amen. Et il existe l'esclavage spirituel. Saisissez très bien. Il existe un esclavage spirituel. Quelqu'un qui est dans l'esclavage, sa destinée est brouillée. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit dans l'esclavage, quand l'ennemi oppresse la vie de quelqu'un, tu peux être libre, tu travailles, tu marches, tu fais tout, mais tu vas voir que le bien, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur propre sang. Vous savez, ce que le monde des ténèbres a besoin de quoi? C'est quoi? C'est la chair. Dans des sacrifices, allez, regardez-moi ici. Dans des sacrifices, ils sacrifient des animaux. Le sang des animaux, le sang des oiseaux, le sang des reptiles. Mais il monte surtout en grade les sorcières quand il sacrifie le sang humain, quand il sacrifie quelqu'un qui avait de la valeur. Et c'est pourquoi dans les familles, on ne cherche pas celui qui n'a pas de l'intelligence. On ne cherche pas celui qui n'a rien. On va toujours chercher celui qui est de la famille, celui qui a de la valeur dans la famille. Parce que l'heure est venue. Le temps est arrivé. Le Seigneur est présent. Verset 6. Quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuées, il périra pour toujours comme un ordure. Vous voyez l'ordure? L'ordure, c'est quoi? Les ordures, c'est quoi? Hein? Les déchets. C'est-à-dire, on est en train de dire que cette mauvaise personne-là qui vient pour essayer de détruire ta vie, il est comme un ordure. Alors, ça, le voit la poubelle. Même quand tu as vu que le méchant s'est levé, ici, Dieu dit, même quand il s'est levé jusqu'aux cieux, à ça, il le voit a touché ma patte. Mais Azaka Kalokola, on dure. C'est ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que Dieu dit, Dieu, il a promis à Israël une vie glorieuse. Chercher. Parce que cette personne-là qui va te chercher, s'il arrive à te sacrifier, alors lui, il monte à grade dans les ténèbres. Mais tu vas dire, non, ma chair là, elle est chère. Ma chère, dans une autre langue, c'est ça, Motouya. Ma kila oyanga, c'est ça, Motouya. Parce que le sang de Jésus coule dans mes veines. Mon sang est précieux. Mon sang est devenu précieux. Depuis que j'ai reçu Jésus, il y a eu une perfusion spirituelle. Le sang de Jésus est rentré dans ma vie parce qu'il m'a donné sa vie. Alléluia. Il est vivant. Mais qui? Jésus. En parlant de ce verset du Ésaïe 49, verset 24. Lisez-moi Luc 11, 21. Luc chapitre 11, verset 21. Qui peut me lire ça très vite? On va prier, on va monter. Luc, qui peut lire? 21. Autant que il faut être pressé de s'élever. Oui. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Réponds encore plus fort.
Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est assuré. Assuré. Ah. Oui, ce qui suit. Mais si un plus fort que lui survient et d'opter, lui enlever toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il s'habituait se dépouiller. Amen. Amen. Lisez à Lingala. Soyez prêts. Où est la Bible à Lingala? Elombe asali na bibundeli pe azali kokengela ndako na ye biloko na ye nyonso ebombani malamu. 22 kasi soki moto oyo aleki ye na makasi ayei pe alongi ye akobotola ye bibundeli oyo azalaki kotiela motema bongo akokabola biloko na ye nyonso. 23 moto oyo alandaka ngai te. Juste au 22. Amen. Amen. On nous dit ici, moi je commence au verset 20. La Bible dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Regardez-moi devant. On a déjà lu, notez seulement, regardez-moi. Suivez très bien ici. Sois attentif maintenant, attentif. Ici, Jésus, il est en train de parler de sa puissance. Les gens, les scribes, les pharisiens, ils sont en train de dire qu'il est en train de chasser les démons par Belzébul, qui était le prince des démons. Amen. Amen. Et Jésus leur dit que je chasse ces démons par les doigts de Dieu, la puissance de Dieu. Alors, le verset 21 dit, lorsqu'un homme fort, l'homme fort, ici que Jésus est en train de parler, c'est le même dans Ésaïe 49, verset 24. Et le verset 25, l'homme fort, c'est Satan. Satan, il est l'homme fort. Tu ne peux pas vaincre Satan si l'homme le plus fort n'est pas avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi ta famille ne peut pas recevoir la délivrance s'ils n'ont pas Jésus. La conséquence de la malédiction de la famille ne peut pas finir si Jésus n'intervient pas. Le problème des situations de maladie héréditaire, tout ça est venu, c'est la malédiction de la désobéissance. Soit que dans ta famille, il y a des situations héréditaires et tu te sens bien de garder cela. Oh, le diabète, ça c'est le diabète de la famille. Au nom de Jésus, chez moi, ça ne va pas rentrer. Amen. Oh, yeah. Il est puissant, mais qui? Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est tout puissant. Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est maintenant ici, il est en train de dire, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, alléluia, Jésus rentre en action. Jésus dit, mais s'il y a un homme plus fort qui vient dans sa maison, l'homme le plus fort, il va l'arracher le butin. Amen.
et il va l'arracher ce qu'il possédait, même ses armes. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est l'homme le plus fort que l'humanité n'avait jamais connu. C'est l'homme le plus fort que ma famille n'avait jamais connu. C'est l'homme le plus fort qui est venu pour désarmer Satan. Satan, il a été désarmé par l'homme le plus fort qui s'appelle Yehoshua HaMashiach, le créateur des cieux et de la terre. Ah, il a la puissance quand il parle. La Bible dit, les montagnes sautent. Les montagnes sautent. Le Seigneur veut qu'une montagne qui est dans ta vie aujourd'hui puisse sauter. Le Seigneur veut que cette colline-là qui a fermé ton chemin, que la colline puisse sauter. Parce que quand la Bible dit, quand l'Éternel parle, cet Éternel, c'est celui qui est en train de parler à travers l'homme de Dieu qui est devant toi. L'Éternel est en train de parler. L'Éternel fait sauter des montagnes comme des agneaux. Il fait sauter des collines comme un... Il est vivant. Jésus dit, l'homme le plus fort est venu. Ah, Jésus est l'homme le plus fort. Amen. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur Jésus, je ne crois que tu es l'homme le plus fort. Je ne crois que toi, l'homme le plus fort. Tu vas désarmer tout ce que l'ennemi bloque de ma vie. Amen. Comme si tu n'étais pas là. Comme s'il n'y a personne ici là. Amen. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va avancer. Je vais avancer, je vais finir ici. La prière va commencer ici. Yes. Analyse ta situation. Si tu te plais de ta vie, continue dans cette vie. Tu as envie de prier, prier. Tu n'as pas envie de prier. C'est ta situation, c'est ta propre vie. Alléluia. Mais ceux qui ont besoin de la main plus puissante de Dieu, quand ils comprennent que cette situation, ce n'est pas la situation de ma vie. Cette situation dans ma maison doit cesser. Cette situation dans ma vie doit cesser. Cette situation dans ma famille doit cesser. Ces sorciers qui m'importunent, ces sorciers qui viennent me troubler, ils vont manger sa propre chair. Je suis en train de vous dire, le temps est venu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je vais le faire manger leur propre chair. Il est vivant. Tout sorcier de Saint-Brieuc qui est en train d'embrouiller la source vivante, il faut qu'il mange sa propre chair. Il y a seulement une porte. La seule porte, c'est de se convertir. La seule porte, c'est de dire, j'ai fait du mal. Et me voici, je viens fléchir les genoux. Oh, je veux que Dieu me pardonne. On priera afin que Dieu lui pardonne. Mais celui qui veut rester têtu comme Balaam. Balaam, bien-aimé, sur la nesse. Il à tout prix, il veut aller maudire les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu que tu veux aller maudire, ils ont un grand, un maître. Ils ont un gardien. Ils ont un bouclier. Ils sont celui qui veille sur eux. Alléluia. C'est pourquoi l'ange, il avait pris l'épée. L'ange, il prend l'épée. Il dit, je vais te finir. Job, on va lire dans Job, Job, chapitre 20. Et nous nous levons dans la présence de Dieu afin que nous ayons un bon moment de la prière. Job, Job, chapitre 20. Job, chapitre 20. Nous allons voir les sorts que Dieu réserve pour ceux qui veulent ruiner ta vie, ceux qui veulent détruire ta vie. Le verset 4. Écoutez, la Bible dit ceci. Ne sais-tu pas que... Notez dans ton cahier, regarde-moi devant, on va prier. Toi qui es prêt pour prier, toi qui es prêt d'invoquer l'Éternel pour ta vie. Gloire à Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Oh, l'Éternel est vivant. L'Éternel est présent. Je vais ouvrir une autre version. Voilà. La Bible dit ici, Job chapitre 20. Écoutez.
momentanée. La Bible est en train de te dire que ceux qui ont pensé qu'ils ont triomphé sur toi, de t'affliger des maladies, de nuire ta vie. Alléluia. Les triomphes, Dieu est pour. C'est-à-dire, c'est mon abango, c'est un mot. Mon cousin. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est venu sur la terre, ça veut dire Dieu, il y regarde de là-haut le ciel. Que les méchants, sa vie ne peut pas être longue. Ça veut dire que les méchants qui viennent te nuire, bien aimé, parce qu'il veut te détruire, il ne peut pas vivre éternellement. Et ici, ça veut dire que la souffrance là, ne peut pas être éternelle dans ta vie. Amen. Quelqu'un veut dire amen? Amen. C'est pourquoi tu dois t'approprier de ta guérison. Tu dois t'approprier de ta vie. C'est lui qui a pris ta vie. C'est lui qui a pris tes biens. La Bible nous dit, Esaïe, l'Éternel, déjà il t'a dit que la quantité puissante lui sera enlevée. C'est-à-dire, le Seigneur, il veut arracher quelque chose de ta vie entre les mains de celui qui se pensait fort, l'homme le plus fort est présent. L'homme le plus fort, c'est Jésus. Amen. Si Jésus n'est